je dois dire, c'est d'avoir pris le temps d'écouter mes soldats, d'écouter mes caporaux, d'écouter mes commandants et mes sergents-majors, vraiment d'écouter leurs préoccupations, mais surtout leurs idées. Ils ont des idées extraordinaires et puis tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les aide à les mettre en réalité. Alors, c'est ce que j'ai adoré le plus, là, c'est d'avoir pris le temps d'écouter ce qu'il y avait à me dire et de les aider à accomplir leurs objectifs. Alors, dans la dernière année, on a revu le programme d'entraînement collectif de la réserve, instruction individuelle, c'est-à-dire former tout ce qui est en termes de chef, parce que c'est ce qui nous manque beaucoup. Tous les chefs, c'est le cœur, on appelle ça en anglais « the backbone of the army », c'est les chefs et les sergents. Donc, on a travaillé à augmenter le nombre de chefs durant les dernières années. Et j'ai aussi 17 autres dossiers que j'ai pilotés qui ont à voir à la réserve. Gracias.